Logan Fogger est parti. Désolé pour cette première partie de vidéo complètement lamentable, vu que j'avais plus de son. Voilà, fallait bien vous occuper. Donc le problème, c'est que nous, au bout d'un moment, vous avez peut-être compris, on n'avait plus on n'avait plus d'image, donc on racontait n'importe quoi, on voyait même pas FF6, quoi. Donc c'est un peu du massacre de FF6, mais vu qu'il n'y a pas d'histoire là dans cette partie du... dans ce cas d'annexe, quoi. J'espère que vous allez me pardonner. Donc si vous n'avez pas compris des trucs dans la vidéo d'FF6, je parle pas de nos paroles lamentables, hein, je parle du jeu, bien sûr. Vous n'avez pas compris des trucs, comment j'ai fait certains trucs, vous posez des questions. Hein. Donc là, hop, on va se faire le dragon bleu, qui est pas terrible, on va dire. Donc vous voyez peut-être un lien en bas de la vidéo, là, dans la description de la vidéo. Alors ce lien, bah, qu'est-ce que c'est? Alors il y en a sans doute, enfin même j'en suis sûr qu'il y a certains de ceux qui visionnent la vidéo qui connaissent Phoenix Wright. Et bon, vous savez, les fameuses objections, etc. Et donc, dans l'intro de la vidéo, on a fait choucroute, poulet. Bon, je vais pas essayer de le refaire. Donc choucroute, c'est Noggenfugger, poulet, c'est moi. Hein. Donc voilà, c'est un petit délire, on va dire. Et si vous voulez télécharger le truc pour faire des montages, faire des trucs de Phoenix Wright, etc. Voilà, donc je vous ai donné le lien du petit son choucroute poulet, quoi. Donc là, on va retourner à FF6. Alors apparemment, j'ai un petit bug avec... pas avec Loki, mais avec les reliques que je lui ai mises, là, qui permet de frapper 8 fois. Parce que apparemment il frappe 8 fois, mais en faisant des petits dégâts, quoi. Donc, enfin, au lieu de faire des dégâts normaux, il frappe 8 fois, mais avec des dégâts vraiment petits. Donc là, vous avez compris, le dragon bleu craint la foudre. Bon, au niveau où je suis, il est pas terrible, quoi. Donc pour l'espèce d'entrée secrète après avoir pris Odin, il suffit de partir du trône, descendre 4 cases et appuyer sur A ou croix ou enfin la touche pour valider, quoi, ça dépend de la console. Voilà, et ça déclenche un petit passage secret. Donc là c'est toujours pareil, hein, je vois la vidéo, mais le son, vous l'avez compris, j'ai plus de son, et voilà. Donc là, je suis toujours devant la vidéo, en train de parler, en train de regarder la vidéo. Donc voilà, et là, si on vient là, on parle à la reine, et ça fait, enfin la reine, ce qu'il en reste, qui ressemble beaucoup à Céleste d'ailleurs. Mais c'est juste parce qu'ils ont réutilisé l'apparence de Céleste, hein. La reine n'a aucun rapport avec Céleste. Donc on transforme la même site Odin en Raiden. Donc Odin apprenait de bonnes magies, mais c'est pas grave du tout, puisque on peut les apprendre avec Crusaders, qui est l'aspect qu'on obtient avec une fois qu'on a battu tous les dragons. Donc du coup j'ai pris Raiden, voilà, qui a une magie vraiment sympa. Mais attendez que je raconte pas de conneries, oui c'est vrai. Ouais, il a une magie qui permet d'attaquer deux fois par tour, si je me trompe pas. Enfin, en tout cas, si c'est ça la magie, si ma mémoire est bonne. Non, ça c'est une connerie. On peut dire ça comme ça. Enfin bon, si j'ai raison, on prend la magie d'Odin qui permet d'attaquer deux fois par tour, plus une relique qu'on va avoir dans une autre quête annexe, la tour des fanatiques. Vous verrez qu'on pourra lancer 4 magies par tour grâce à ça. Donc là, désolé, toujours pas de son. Non, je pourrais toujours vous mettre le son du jeu, mais là j'ai un petit problème, j'ai plus qu'un lecteur, j'ai plus que Replayer, parce que voilà, Windows Media déconne. Il veut plus me faire de son. Bon bah maintenant, il va falloir que je trouve des commentaires. On va pas se marrer, hein. Donc désolé pour ceux qui, voilà, contre lamentable ce qu'on a dit, etc. Parce qu'au bout d'un moment, c'était complètement à partir de 8 minutes et quelques, là c'était un gros délire.
on racontait n'importe quoi. Et bon, c'était moins drôle pour vous que pour nous, puisque vous voyez pas ce qu'on faisait. Donc, enfin voilà, on faisait tomber la peluche Pampa que j'ai achetée. Enfin, je pense que vous êtes au courant maintenant. On ralentit avec une vidéo tragique, machin. Enfin, une musique tragique, pardon. Enfin, c'était du gros n'importe quoi, quoi. Donc, je vous le dis un peu tard, je sais, mais il fallait couper le son hein, si vous voulez juste voir le jeu, quoi. Bah, ça me servira de leçon, je vais arrêter de comment? Je vais arrêter de couper mon son la prochaine fois, quoi. Enfin, je ferai en sorte d'avoir du son. Donc, vous inquiétez pas, là, j'ai déjà fait 69 vidéos. Elles sont toutes parfaites, enfin parfaites, je veux dire, même qualité que celle d'avant, sans compter celle-là. Donc c'est, je pense que c'est la dernière vidéo délire. Bon, si vous voulez des vidéos délire, vous allez sur le compte de Nogan Fogger. On fait souvent des walkthroughs à deux, enfin, pas forcément des walkthroughs. Par exemple, God of War, c'était pas un walkthrough, mais c'était pas trop délire en même temps. Mais par contre, vous regardez Dino Crisis. Et vous verrez ce que c'est du délire, quoi. Surtout les dernières vidéos où on n'est pas bourré, mais on est tellement crevé que voilà, quoi. C'est un peu pareil. Donc là, vous avez compris, j'ai terminé le comment. J'ai terminé cette quête annexe qui permettait de battre un dragon, d'avoir l'offering, comment ça s'appelle, l'offrande, voilà en français, qui permet de frapper 4 fois par arme, et d'obtenir Odin et Raiden. Donc voilà, maintenant je quitte, parce que j'ai plus rien à faire ici. Hein. Pour info, vous savez que voilà, j'ai une peluche Pampa et Tombéry, enfin bon. C'est pas pour dire ça, mais c'est juste pour dire qu'à la prochaine vidéo, vous verrez à quoi ressemble un Tombéry. Donc là, c'est le premier Tombéry. C'est le premier Tombéry qu'on voit dans Final Fantasy, hein. Enfin qu'on voit dans un jeu quoi. Donc vous allez bientôt le voir donc à la prochaine vidéo. Donc il s'appelle pas encore Tombéry, il est bleu. Donc il faut juste que vous l'imaginiez en vert. Après il faut l'imaginer en peluche, mais vous tapez tout simplement Tombéry voilà, sur Google Images ou un autre site d'image, hein, vous le trouverez quoi. Bon ben, je vois qu'on va bientôt se quitter. Ah, du coup, je sais plus quoi dire quoi. Bon, vu que la vidéo fait 19 minutes 58, j'espère qu'elle va passer. Parce que Daily disent 20 minutes maximum, et puis en fait, à partir de 19h50, ils refusent quoi. Donc, je pourrais la mettre en Creative Content, mais je pense pas qu'ils vont accepter une connerie pareille quoi.